Étant donné que j'ai arrêté mes fonctions en décembre de la saison passée, il fallait que je m'habitue, il fallait que je m'adapte aux locaux, aux installations, à l'organisation. J'ai fait la connaissance des joueurs. Donc encore une fois, c'est ce qui m'a permis de gagner du temps. Donc quand j'ai pris l'équipe en main, je connaissais plus ou moins le groupe. J'allais les découvrir encore plus en tant que footballeur, mais ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le football en lui-même. Qu'on puisse passer des moments ensemble hors football, c'est quelque chose qui peut aussi créer une certaine cohésion et qui peut rassembler à travers karting ou paintball ou bowling. C'est des choses que j'aime mettre en place et j'espère pouvoir continuer à le faire. Mais c'est aussi quelque part les éduquer et pourquoi pas aller dans les hôpitaux voir des enfants malades et qu'ils se rendent compte que ce qu'ils pratiquent et le métier qu'ils ont, ils ont beaucoup de chance. Je vais faire le mec modeste en vrai. J'étais avec des bons coureurs. Franchement, Florian ici présent qui a été assez pas mal durant. Assez pas mal parce que bon, je reste quand même meilleur. Mais, hein. Franchement, très content et puis voilà quoi. C'est tout. Tu es revenu? Ça va? Ça va et toi? Bonne année. Merci, toi aussi. Bonne santé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'équipe cette année? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Remporter les compétitions, être régulier dans le travail, dans l'exigence que demande le coach, et gagner tout ce qu'on peut, hein, être compétiteur. Et de la santé pour tout le monde, c'est important. Bonjour. Bonjour, bonne année. Merci à vous aussi. Merci. Santé. Bonjour. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année. Ce matin, c'est travailler un peu de force, on a l'habitude de faire, avec du jeu réduit. Et aujourd'hui, on intègre les gardiens. Donc, comme d'habitude, je vous demande de l'implication, de la concentration. On vous a dit, hein, on essaiera de faire maintenant des séances assez courtes, mais très dynamiques, où on passe d'un exercice à l'autre rapidement, qu'il y ait le moins de coupures possible et que ce soit le plus intense possible. On est ici, vous ne pouvez plus vous permettre après de faire des entraînements ou des prestations ici. Vous devez maintenir ça. Et dans le football, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est facile d'être bon un match, d'être bon un entraînement ici. Mais venir tous les jours, d'être régulier et d'être comme ça, c'est ce qu'il y a de plus dur en football. Et ça, il faut que vous vous habituiez à maintenir ça. On ne doit pas toujours être derrière vous pour vous pousser. Fixez-vous vous-même des objectifs, soyez exigeant avec vous-même tous les jours. Tous les jours. L'objectif c'est de tout gagner, soit sans 19 nas, sans Gambardella ou sur la Youth League. On veut tout gagner, on va arriver au playoff en mai. Et bah, c'est ça l'objectif de tout le groupe. La tête du vous projet. Vous commencez la première jeu de l'année, Gambardella lundi. Les anciens comme on dit ne sont pas là, c'est à vous de. Bah, c'est à vous de faire le travail quoi. Ouais, on va aller chercher la victoire dimanche, ça va être un match compliqué, en plus c'est une belle équipe de Lille, on les connaît un peu et on va tout faire pour ramener la victoire. Personnellement, ça représente quand même beaucoup de choses parce que c'est une compétition assez symbolique,
C'est une Coupe de France, donc il y a tous les clubs U18 qui participent. C'est un gros challenge pour moi et c'est aussi un honneur de pouvoir participer à ce genre de compétition parce que c'est des coupes qui représentent le football. C'est une grosse compétition et je suis très heureux de pouvoir la jouer avec le club. Malgré tout, j'ai la chance d'avoir une certaine ossature qui fait partie des 19, mais elle est composée effectivement de 19 premières années et de joueurs U17. Donc c'est un mix des deux. Quelquefois, il y a des clubs qui arrivent à faire des matchs amicaux ou des matchs en interne, des oppositions, ce qui permet de créer des automatismes entre les joueurs. Nous, on n'a pas eu le loisir de pouvoir faire ça, mais on s'en est bien sortis. Aujourd'hui, c'est un grand match contre une très belle équipe de Lille. Oui, ça va être un match palpitant et on a dit. C'est bien passé. On a pu profiter, on a récupéré un peu encore et on va manger après place au match. Donc on recommence aujourd'hui la deuxième partie de saison. C'est le premier match de l'année 2022. Depuis le début de la semaine, on vous répète, je vous répète. Il y a eu des vacances, il y a eu une coupure méritée, après une bonne première partie de saison. Et là, il faut réenclencher, les gars. Aujourd'hui, on vient, on va jouer un match à 14h30. On va jouer une très bonne équipe, il y aura sûrement beaucoup de monde. Le stade sera plein. Et bien évidemment, contre nous. Et le match, c'est ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est réenclencher rapidement toutes les bonnes choses qu'on a fait dans cette première partie pour nous permettre de remporter le match de cet après-midi. C'est de vite retrouver nos bonnes habitudes, le bon état d'esprit, une équipe généreuse, une équipe forte mentalement, une équipe collective qui s'appuie sur son collectif. Et à l'intérieur de ce collectif, il y a des individualités, bien évidemment, qui font la différence. Mais s'appuyer sur notre force, c'est le collectif, c'est cette force mentale, cette capacité à combattre et techniquement avec cette personnalité à ressortir les ballons, à jouer les uns pour les autres, à être en mouvement, à être patient, à jouer entre les lignes, à jouer vers l'avant pour pouvoir faire mal à cette équipe. Moi j'ai confiance. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous allez montrer ce visage. Bon, menu c'est pas atteint, les pattes c'est important, des féculents. Toujours avant un match, comme ça on a de la force. C'était un match assez serré, on dominait plutôt dans le jeu, on était bien, on était en place. Le but avant la mi-temps, il fait un peu mal, j'avoue. J'ai envie de dire, il n'y a jamais de bon moment pour prendre un but,
Mais alors juste avant la mi-temps, c'est encore pire. Ça fait partie du football et ça fait partie des choses qu'on doit vivre et qu'on doit accepter pendant un match. C'était un fait de jeu, fallait pouvoir l'encaisser. C'est ce qu'on a réussi à faire, on est resté calme. C'est à moi, c'est aux joueurs de trouver les solutions et les ressorts nécessaires pour pouvoir justement inverser la tendance. C'est aussi les mettre face à leur réalité. Quand c'est pas suffisant, c'est qu'il faut faire plus. Réajuster deux, trois choses et puis repartir en essayant d'être beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Avant la séance, je discute un peu avec le coach gardien, Jean-Luc, qui me met en confiance. On fait le vide dans la tête, on essaye de ne pas penser à trop de choses. On est déterminé le jour où ça arrive. Il y a des joueurs qui se sentent le jour J, il y en a d'autres qui ne se sentent pas. Et puis il faut y aller, il faut être concentré. On prend le ballon, on le pose, on choisit un côté, on est déterminé et on la met au fond. Et ça, ça ne se travaille pas, ça. C'est un état d'esprit et c'est la manière dont on va tirer. Les joueurs continuent à marquer, et là, sur le dernier, je sens qu'il y avait un truc à faire. Depuis le début de la saison avec vous, c'est ce mental, c'est cette force mentale que vous avez. Refusez de perdre, refusez d'être fataliste, de se dire aujourd'hui il n'y a rien pour nous, ça ne veut pas rentrer, ça ne va pas réussir. Jusqu'au bout on y croit, jusqu'à la fin on y croit. Et à la mi-temps, je vous l'ai dit, on a renversé des situations beaucoup plus compliquées que celle-là. Et pour moi, avec encore un peu plus de tranquillité et d'ambition, avec un peu plus de calme, on pouvait mettre ce deuxième but et carrément les enterrer. Mais vous l'avez fait au pénalty. C'était un choix volontaire de ma part de ne pas les travailler hier. Parce que les pénaltys, on peut dire ce qu'on veut les gars. Hier, j'aurais pu faire tirer deux à chacun. C'est pas la réalité du match. C'est pas la même tension. C'est pas la même pression. C'est pas le même contexte. C'est une question d'être concentré, d'être décidé, de prendre le ballon et de vouloir la mettre au fond. Il n'y a pas besoin d'entraînement pour ça. Félicitations pour la performance. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. Oh, c'est trop, c'est trop gros. Oh. Mais je sais pas, on sait pas où il veut aller avec ses cheveux. Mais oui. Mais Monta, il peut pas parler. Pourquoi il parle de moi? Monta, il peut même pas parler ici. Si. Oh, là, je vais parler parce que quand je l'ai dégradé, je sais que même toi, je vois. Bon, les gars, juste la séance de ce matin, on reste sur ce qu'on fait bien. Depuis la reprise, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est cette solidité défensive.
Vous êtes en train de le montrer dans les matchs qu'on fait, à travers l'état d'esprit. Mais demain il y aura du jeu, donc on continuera dans cet esprit-là, avec un peu plus d'espace encore. Voilà les gars, merci. On voit les perdants, regardez comment elle est fâchée. Regardez ça donne. Enfin tu gagnes quoi. Elle n'a même pas gagné. Regardez comment elle est fâchée. En plus elle n'aime pas gagner. De quoi ? Putain c'est cool là. Vous êtes fou quoi. Wesh. Aujourd'hui ça va être un match compliqué. Vous le savez, et ce que j'essaye, ou ce qu'on a essayé tout au long de la semaine, c'est de vous préparer à ça. Maintenant, si on fait ce qu'il faut, on est prêt. On commence le match avec une détermination, concentration. C'est nous qui imposons notre jeu, avec nos attaques, avec les qualités qu'on a, avec cet équilibre défensif, avec des courses, avec la générosité, avec la communication. Ça va bien se passer, hein. Mais ça dépend de vous. C'est vous qui rendez le match facile, par vos efforts, par la solidarité, par la communication, par la générosité. C'est vous qui rendez ça facile. Allez, on passe sur l'eau. Dernière porte, dernière porte. Vas-y, vas-y. Bon, pas dans les mêmes zones. Sur les temps. Allez, go, go. Attends, attends, passe fort. Encore. Allez, hein. Nous, depuis lundi, on est déterminés. Vous, quand vous vous regardez entre vous, sur le terrain, parce que l'autre, il a raté contre le tout, dans les yeux, il doit comprendre qu'on l'encourage. On lâche pas, c'est pas grave, on continue. Et on va le faire. Allez, 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 allez. Dans la vie, on apprend de deux manières. Hein. Il y a, quand on réussit, forcément, c'est un apprentissage positif. Mais de temps en temps, des petites gifles ou des déconvenues font aussi partie de l'apprentissage. Et ça permet de se remettre en question, ou en tout cas d'analyser ce qui reste, le chemin qui reste à parcourir. Non,
là, c'est le tirage. Donc, vous pensez quoi de notre compagnie Miss League là? Elle répond là. Attends, Gary, c'est là. C'est là. I think the best way to handle the pressure is focus on the preparation. Would you give to the young players Good United, FC Salzburg and Juventus? We have to complete pairing number one with Paris Saint-Germain. Yes. Paris Saint-Germain. Yes. Sevilla. C'est un bon tirage, on est à domicile, on va faire le maximum pour gagner devant nos supporters et se qualifier. Hein. Parce qu'il n'y a pas de match aller-retour, c'est que le match aller. Ça veut dire qu'on n'aura pas plusieurs chances. Ça veut dire qu'on repartira avec la victoire et se qualifier encore. Jouer à domicile, c'est important. Ça permet de nous mettre en confiance, des terrains qu'on connaît, des infrastructures qu'on connaît aussi. Donc voilà, on va tout faire pour se qualifier et donner le maximum. Maintenant, ça dépend de nous de tout faire pour se donner les moyens de pouvoir rejouer après Séville encore une fois ici à la maison et de pouvoir gagner pour pouvoir aller jouer en Suisse. Voilà, c'est là la source de motivation, elle est là. C'est de se dire que si on fait un match costaud et qu'on arrive à passer, on donnera encore l'opportunité à nos supporters de pouvoir nous soutenir ici et sur notre terrain de nouveau. Mais depuis qu'il est Titidor, il gagne plus beaucoup. Hein. T'as pas remarqué ?